cette partie, on vous propose des images inédites pour la plupart non vues à la télé. Êtes-vous prêts? Parfois, après le tournage, c'est le moment de faire contact avec les invités, mais aussi de prendre des selfies, comme vous vous en doutiez, j'imagine. Bon, vous voulez un peu plus croustillant que ça? D'accord. Il y a des boulettes qui arrivent lors des tournages. Ouais, on aimerait bien être parfait, mais on ne l'est pas. Parfois, avec la pression du tournage, il arrive que l'invité entre avant son heure. Oui, c'est comme une chorégraphie, quoi. Il faut entrer au bon moment. Comme ce jour-ci où la styliste Colombe, attention, oups, ça arrive, elle est un peu entrée avant son heure. Mais bon, heureusement, on a vite repris et cet épisode a facilement permis de briser la glace. Il arrive aussi que pendant le tournage, le public ne capte pas bien ce qui se fait devant. Oui, ils sont censés suivre, non? Comme lors de l'épisode du Nouvel An. Un gros débat lorsqu'on a demandé à DJ Princess Flore quelle était sa chanson préférée pour l'an dernier et qu'elle a parlé de Habibi, de Ben. Il paraît qu'il y en a plusieurs. Bon, à vous d'essayer de comprendre. Moi, je n'avais pas compris. Et puis les chansons rwandaises, il y a Habibi. Habibi de Ben. Ouais. Il y a des fans sur le plateau? Oui. Hein? De Ben. Il y en a deux. Il y a deux versions de Habibi de Ben. Il y a deux chansons différentes de. Ok. Moi, je connais que celle. Moi, je. Oui. Je crois qu'on connaît la même. Oui, je crois aussi. Je crois qu'il faut dire. C'est Habibi Rwanda, Habibi State. Rwanda. Ah oui. Ben, chante un peu. D'accord. Ok. Okay. Tu veux bien chanter la deuxième? C'est la même fille. C'est la même fille pour laquelle on chante, Léa Bibi. C'est qui le chanteur? C'est The Ben. The Ben, il a deux chansons. Ah, d'accord. De The Ben. Nous, on parlait de The Ben. Oui. Il faut suivre, hein, monsieur. Je me demande en classe comment ça se passe. Non. Parfois aussi, bah, ma caméra m'oublie complètement. Peut-être qu'elle m'a tellement vu, elle veut prendre quelqu'un d'autre, je sais pas. Donc il faut lui faire signe pour me retrouver. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'amuse beaucoup sur le plateau, même lorsque je m'absente pour discuter de choses très sérieuses et techniques. Et bah, les gens ont décidé de ne pas s'ennuyer. Et hop, on me pique ma place carrément, quoi. Je sais pas ce problème, il a la volonté à compter jusqu'au salon. Je vois. Donc, maintenant, revenons à nos moutons, mais comme on n'a pas beaucoup de moutons, revenons à nos vaches. Ils seront là. Alors, stylisme, ça fait combien d'années? Eh, mais non, il faut compter. Attends. Non, je n'ai pas dit d'heure. Mikiliste, il te montre la montre Versace. Attends, regardons sur ma montre Versace 1967. Combien d'années ça? Eh non. Et ça va coûter cher. Il faut noter. Pardon. Faut noter. Ça fait combien d'années? Ah, maintenant ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, vraiment. Mais je vois, c'est très important. Tu es bien stylé, mais regarde les filles ici. Tu peux les aider? Non, il faut les aider, elles ont l'air d'un poster de UNICEF. Faut chercher. Merci. Merci. Hein. Non, il faut pas laisser les gens comme ça. Tu laisses les gens sur un plateau, on va les commander. Oui, finissons avec le mannequin challenge que nous avons essayé lors de la visite du peintre Bruce. Regardez. Très beau.